Gloire à l'Éternel. Waouh, nous sommes là à cet instant précis, à ce moment. Quelle grâce, quel bonheur. En tant que sentinelle, nous allons continuer quelque chose de fort que nous avons commencé ensemble. Les sentinelles en puissance. Ça, c'est formidable. Vous savez, et dans les temps qui suivent, on verra le rôle et le fruit et la position et la mission des sentinelles. Sentinelle dans ta famille, dans ta région. Vous savez, lorsque tu es une sentinelle, tu es connecté avec Dieu. Tu as une relation forte, une relation d'onction avec Dieu, des responsabilités, des missions. Daniel chapitre 2, regardez la suite. Verset 25. Alors, celui qu'on appelle Arjok. Arjok, c'est celui qui avait l'ordre de tuer. Hein, et à qui Daniel a demandé à parler. Et il va faire quoi? Verset 25, chapitre 2 de Daniel, verset 25. Il dit, Arjok conduisit promptement, ça veut dire de façon exacte, de façon immédiate. Ok? Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Vous imaginez, j'ai trouvé parmi les captifs. Ça vous montre à quel point l'identité et même le statut de Daniel était d'un statut très bas. Des gens qu'on appelait les captifs. Mais comment quelque chose d'important et de si précieux peut sortir des captifs? Comment un captif peut être écouté? Un captif n'a pas d'importance. Un captif, c'était le terme pour ainsi exprimer et surtout décrire l'esclave du bas niveau. Quand on dit quelqu'un captif, un captif, c'est celui qui n'est pas libre. Un captif, c'est celui qui n'a pas d'importance, celui dont la voix ne compte pas du tout, celui pour qui on n'a aucune considération. Quand on parle du captif, c'est celui pour qui on a du mépris, celui envers qui on a simplement attribué un terme de signification d'humiliation, pour ne pas dire simplement quelqu'un qu'on pouvait traiter comme une serpillière, quelqu'un pour qui on ne porte d'aucune importance. Quand on parle de la captivité, le terme captif, pour identifier Daniel comme tel, waouh, quel propos. Mais de non-sens. Mais mes chers amis, c'est aussi comme ça cette réalité. Lorsque les gens te voient au départ, ils ne savent pas qui tu es. Les gens sont dans une position où, au quotidien, c'est leur statut qui compte, leurs finances, leurs moyens, les relations, le fils d'eux. Voilà le titre d'eux. Mais pour celui qui ne rentre pas dans ces critères, qui n'est pas habituellement là, dans ce haut niveau, et qui n'a aucune représentation de valeur par ses finances, qui est peut-être l'enfant d'un ouvrier ou même zéro, ou qui se bat au quotidien dans le ménage, ou quelqu'un simplement qui est né dans des conditions peut-être de cultivateur, ou j'en sais rien, ou d'enseignant, ou tous les bas niveaux, ou même de ménage, on ne s'entend pas du tout. Que la personne soit utilisée par Dieu. C'est une erreur très grave. Le don de Dieu ne se manifeste pas à un statut professionnel. Le choix de Dieu ne se manifeste pas à un rang de vie d'argent. Et je me dis encore mieux, l'onction, le fait d'être oint par Dieu, n'est pas dans un statut quelconque de titre ou même de politique ou de position ou d'hierarchie. Non. Dieu choisit qui il veut. Dieu prend quand il veut celui qu'il veut. Là où il veut, et au moment où il veut, à l'heure où il veut, et il se glorifie avec la personne. Et il agit au travers de la personne. Vous voyez, quand Daniel arrive, c'est comme ça qu'on va le présenter. Donc ça permet, dans une disposition au roi, d'avoir l'idée qu'il peut attendre de ce monsieur. Waouh! Mais pourtant, c'est par lui que Dieu va agir. C'est par lui que Dieu va donner la clé. Dieu va donner la révélation des choses. Ça nous ramène à Ésaïe 52. 52, 53 surtout. Il dit, qui a cru à ce qui a été dit? Versets 1 et 2 de 53. Il dit, il s'est levé, voyez, comme un rejeton. Aïe, aïe, aïe. Son visage, son aspect n'avait rien pour nous plaire. My God. Sa beauté n'avait ni éclat. My God. Oh my God. Son visage n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais pourtant, c'est par ces maîtres cieux que nous sommes guéris. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point, de nos jours, cette réalité, elle est là. Cette vérité, elle continue à nous, aujourd'hui,
nous interpeller comment, de la manière et de quelle façon Dieu utilise chacun de nous. Le Dieu capable de manifester sa puissance. Ne mettez pas de critères dans le choix de Dieu. Sentinelle, Dieu peut t'utiliser dans ta chambre, Dieu peut t'utiliser dans ton champ, Dieu peut t'utiliser même quand tu dors dehors. Même pour l'instant, tu dors dehors, mais demain, tu ne dormiras pas dehors. Peut-être tu pleures encore dans ton matelas parce que tu dors de salon en salon, mais dans peu de temps, tu auras ta maison. Sentinelle, écoute-moi bien. Dieu va t'utiliser pour confondre le grand Nebuchadnezzar. Et c'est par ton canal que tu vas opérer une action prophétique de révélation. C'est ça la sentinelle. La sentinelle est utilisée par Dieu, quelle que soit la position, les circonstances dans lesquelles il se trouve. Mayon de Bizen de Bray. Hey! Sentinelle, c'est cette réalité que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de fiche technique pour être une sentinelle. Il n'y a pas de caractéristiques appropriées ou d'un format d'ordre pastoral ou bishop ou prophète ou même apôtre ou évangéliste ou ancien ou docteur ou peut-être d'ancienneté de tant de conversions. Une sentinelle peut être convertie aujourd'hui et en même temps rentrer dans sa sentinelle. Une sentinelle à sa conversion d'aujourd'hui peut devenir sentinelle. Une sentinelle avec sa petite foi d'aujourd'hui peut être une sentinelle. Oh, on voit la suite. Badaboum. Ouais.